Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, l'interprofession coton, intercoton et le conseil du coton et de l'anacard, CCA, ont sillonné du 5 au 12 mai 2019 les localités de Mbengue, Wangolo, Dikodougou, Karakoro, Bouandougou et Mbayakro. Cette tournée qui avait pour but de rencontrer les producteurs de coton et leurs organisations a l'effet de faire le bilan des activités de conseil agricole pour la campagne 2018-2019 a été présidée par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, MINADER. En effet, à la fin du projet d'externalisation du conseil agricole dans la filière coton, ECAFC, exécuté de 2013-2015 et financé par l'Union européenne et Intercoton, les activités du conseil agricole ont été intégrées au projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, qui s'est achevé depuis le 29 juin 2018. Depuis cette date, Intercoton assure la pérennisation des acquis de ces deux projets. Le zonage agro-industriel dans la filière coton est officiellement intervenu à partir de la campagne 2017-2018, suite au décret numéro 1153 du 28 décembre 2016, pris par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la réforme des filières coton et anacarde. Toutefois, selon M. Yaounzoué Célestin, consultant au FIRCA et chargé du suivi de la mise en œuvre du conseil agricole dans la filière coton, le zonage a toujours existé sous d'autres formes. Il y a eu le zonage à la CDT Sud. Il y a eu une sorte de monopole. On a atteint 400 000 tonnes en 97-98. Ensuite, il y a eu un deuxième type de zonage. Quand on a cédé deux parties de la CDT à Ivoire Coton et à RCCI. Ça, c'était un zonage. Ça a marché. On a atteint les 400 000 tonnes encore en 2000-2001. Et puis malheureusement, il y a eu la crise en 2002. Quand il y a eu la crise, bon, mais entre guillemets, le CAFRIA s'est installé. On a appelé ça la libéralisation. La libéralisation. Avec la libéralisation, en 2007-2008, on est tombé à 125 000 tonnes. Bon, vous avez un système où on a 400 000 tonnes et puis un autre à 125 000 tonnes. Lequel qui est performant? C'est pour cela qu'en 2009, toutes les sociétés cotonnières se sont accordées à un séminaire à Bassan pour dire qu'il faut qu'on revienne au zonage. Et la première année, vous appliquez, vous êtes à 413 000 exactement. Cette année, vous faites 458 000 tonnes. Donc, je pense qu'on a véritablement peur seulement du zonage. Sinon, ça donne de bons résultats. Le zonage a ainsi réorganisé l'intervention des sociétés cotonnières dans les zones exclusives d'activité pour répondre, entre autres, aux besoins d'optimiser la production par la maîtrise des coûts et d'améliorer l'appui aux producteurs, a expliqué la représentante du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Mme Guélamon Nadia. L'encadrement des producteurs par des actions de vulgarisation, de la fourniture d'intrants, et l'appui technique est essentiel pour la productivité de la cotonculture. J'exhorte donc l'ensemble des acteurs de cette activité essentielle à demeurer mobilisés et motivés pour l'essor de notre agriculture. Mesdames et messieurs, à ce jour, pour mieux encadrer et poursuivre cette dynamique, l'État a pris la décision d'attribuer à chaque société cotonnière une zone exclusive d'activité après de larges concertations avec les acteurs de la filière. Aujourd'hui, il est question de faire un bilan spécifique pour votre zone, votre localité. Pour la campagne 2018-2019, des contrats ont été signés entre le FIRCA et 6 prestataires de services, Ivoire Coton, IC, la société d'exploitation cotonnière Dolam SA, SECO, la compagnie ivoirienne de coton, COIC, la société industrielle cotonnière des Savanes 2.0, SICOSA 2.0, la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, CIDT, et Global Coton. Ces prestataires, en charge de l'assistance technique aux producteurs de coton, ont dressé un bilan de leurs activités qui a mis en exergue les difficultés ayant freiné le bon déroulement de la campagne. Et nous avons pu réaliser 107 060 hectares de coton pour 145
792 tonnes pour un rendement d'une tonne 360. La campagne a été bonne dans l'ensemble. Par rapport à l'année dernière, nous étions à 1 tonne 430. Cette année, nous sommes à 1 tonne 360. Nous estimons que la campagne s'est bien passée. Les producteurs ont été satisfaits. Nous avons payé tout le coton. Nous avons acheté ce coton sur 17 décades pour un revenu, j'allais dire net, de près de 21 milliards que nous avons payé. Nous avons déjà réglé à ce jour les 20. Il ne reste que 1 milliard pour les deux dernières décades. Et les paysans sont satisfaits dans l'ensemble. Nous également, au point de vue remboursement de crédit, pas de difficulté. Nous sommes autour de 98%, sinon 95 à 98% de remboursement donc de crédit, ce qui nous satisfait. Depuis la campagne 2015-2016, l'appui du PESAC a permis non seulement de soutenir les activités classiques du Conseil agricole, mais également d'introduire des innovations techniques telles que la fertilisation du cotonnier par la détermination du facteur NNH4+, et d'amplifier le traitement insecticide sur seuil. Le Conseil agricole étant une exigence pour, à la fois, améliorer la technicité des producteurs, augmenter les rendements aux champs et accroître substantiellement leurs revenus, ces restitutions ont offert aux producteurs l'opportunité d'échanger avec les responsables des sociétés cotonnières, les autres acteurs de la filière coton et le ministère de tutelle. Les producteurs ont porté des critiques sur le Conseil agricole, mais surtout exprimé leur niveau de satisfaction au terme de la campagne et fait des propositions en vue d'une amélioration de la qualité de la prestation exécutée par les sociétés cotonnières. Dans les années 2012-2013, j'étais le meilleur producteur de la section pendant 4 ans. Après les 4 ans, je me vois qu'il y a un peu de baissement de culture et de poids. Mon CIA m'a dit, pourquoi Chimogo, maintenant ton poids baisse. Il dit, en tout cas, je ne serai pas. Il dit, tu sais, vous êtes trop concentré dans la production en acard ou mangue, et mangue encore. Maintenant, je te prie pardon, c'est toi qui connais la valeur des mangues et la valeur des anacardes. Il faut faire encore une effort. Je savais qu'il voulait que moi j'abatte un de mes anacardes, mais il n'a pas dit la vérité. Maintenant, j'ai commencé à battre mes arbres, les mangues, anacardes. Enfin, maintenant, comme chez nous, à côté de nous, il y a les parcs et les bœufs à côté de nous, j'ai commencé à ramasser les fumées pour mettre dans mon anacarde, pour mettre dans mon champ de coton. J'ai fait 5 hectares. J'ai mis beaucoup de fumier. Maintenant, la production me fait vraiment beaucoup de production. Donc, sur les 5 hectares, j'ai fait 22 tonnes 69. Monsieur Yardima, mon conseiller, il dit vraiment, Chimogo, vraiment, c'est ça que moi je voulais te dire. J'ai senti une amélioration tant du côté des producteurs comme du côté de l'égrineur de la société en place. En tout cas, il y a eu une amélioration. Concrètement, du côté de l'encadrement, où on n'arrivait pas à faire le point avec la société en place, surtout du côté de la facturation. Et je pense que cette amélioration nous a permis aujourd'hui, ces ateliers nous ont permis aujourd'hui d'avoir, au moins après la distribution, un état des intrants de façon nominative de chaque producteur. C'est déjà un grand pas. Il reste encore beaucoup à faire. Ils ont même cité le volet social dont vous avez vu, où Angoulême même a bénéficié déjà d'une école de 6 classes avec un bureau du directeur, avec une cantine, tout ça là. Je pense que c'est à ça que le gouvernement a pensé et il nous a envoyé le zoning qu'on a pris aussi à bras le corps. L'épineux problème du zonage, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le bassin cotonnier, semble avoir été dompté par les sociétés coopératives et les producteurs de coton. Les incompréhensions de départ ayant été progressivement dissipées, en particulier par les fréquentes réunions suscitées à cet effet par le Conseil du coton et de l'anacarde.
Dans cette optique, et pour mieux adresser les préoccupations des producteurs, une synthèse des échanges a été systématiquement dressée en termes de recommandations et partagée par le chargé de programme coton du FIRCA, qui représentait le directeur exécutif du FIRCA, lors des différents ateliers. Un producteur nous a révélé que le retard dans l'enlèvement du coton parfois entraîne le producteur à mouiller son coton. Du moment où il a récolté son coton à une certaine période avec beaucoup de poids, la campagne s'avançant, si on ne collecte pas son coton, il y a une déshydratation du coton. Donc lui, il pense qu'en remettant de l'eau, il retrouve son poids d'origine. La société a attiré votre attention sur le fait que cette pratique n'est pas bonne. Parce que non seulement vous gâtez la production, on ne peut ni prendre la graine, ni prendre la fibre. Et puis, ça occasionne des difficultés, des problèmes au niveau de l'usine. C'est pourquoi on vous a demandé de sensibiliser encore les uns et les autres pour ne pas mouiller le coton. Au terme d'une semaine de tournée, l'on retient que ces ateliers ont permis à la filière coton de porter un diagnostic sans complaisance sur le déroulement du conseil agricole dans les différentes zones de production visitées et de formuler des recommandations utiles aux différentes parties prenantes pour améliorer la qualité du conseil agricole à mettre en œuvre au cours de la campagne 2019-2020 à venir.